people indeed who've already turned down out along the Quai de Pauillac here to see the beginning of the race and the many thousands more that will line this extraordinary race throughout the course of the day. De pétantes, 8750 déguisements plus fous les uns que les autres sont prêts à en découdre. On l'a toujours pas lâché. Non, vaut mieux pas encore. Super chaud. On va manger une antilope et puis on va aller boire un coup. Les pingouins adorent le vin. Il fait bien trop froid au pôle Nord pour les vignes. C'est le plus beau marathon. Plus long et le plus beau marathon du monde. On ne peut pas parler du marathon du Médoc sans évoquer les grosses pièces. Des structures de plusieurs dizaines de mètres, pesant parfois plusieurs centaines de kilos. Hé les gars, bougez un peu là. Hé Dalton. Putain mon salaud. Qui a choisi de faire ce char là? Qui a choisi? C'est vous sûrement, non? Mon chouette. C'est génial. Oui, j'adore. Alléluia. Alléluia. On pourrait aussi boire de l'eau et pas se faire masser, mais c'est quand même moins sympa. Ça fait drôle de quitter la banquise pour se retrouver dans le Médoc. Pas trop chaud pour un pingouin? Ah si, et c'est énorme. Elle n'était pas prête pour faire 42. Ça fait une autre touche d'élevage, c'est pour ça. Passer, ceux qui arriveront sans doute en tête, eux, vous ne serez pas étonnés, ne s'arrêtez pas tellement pour goûter au vin. Par contre là, vraiment les foules commencent à arriver. Là on s'arrête pour prendre le temps, pour déguster le vin. À la prochaine.